Les terroristes sont partout, jusque dans nos culottes. Puis, comme nos culottes sont pleins de trous, le turban leur grelotte. Ils nous encerclent à tout moment, ils peuvent nous kidnapper, nous ouvrir à coups de kirpan pour mieux nous faire triper. En pulvérisant notre beau stade ou bien l'Auto-Québec, tous ces symboles qui nous dégradent aux yeux de ces braves mecs. Pis comme si c'était pas assez, voilà qu'on nous relance pour faire une joyeuse fricassée à propos des grands trans puis l'indépendance. En plus de la menace extérieure qui vient des étrangers, on risque une maladie du cœur intérieur en danger. L'obésité nous guette autant, les talibans nous watch, les gangs de rue passent plus de temps à mériter leur patch. Le système judiciaire fait dur, pas assez il faut croire, tous les goûts sont dans la nature et les toges sont noires. La pourriture sort et chantonne aux marches du palais. On bougonne contre les autochtones, on fustige les Anglais. La jeune chambre de commerce mondiale contre les pétrolières et éolienne internationale versus le nucléaire. Pendu par les pieds au balcon, on voit le monde à l'envers. Ben à l'abri dans son cocon, on voit la vie en vert. Un petit accommodement avec ça?